Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Permettez-moi aujourd'hui de répondre à certains brebis galeux sur les réseaux. Vous savez, aujourd'hui, même ceux qui ne parviennent pas à payer leur loyer, qui ne mangent même pas avant de dormir, parlent n'importe comment sur le nom de Franco. Je voudrais, avant de revenir sur cette histoire de Howard, bien entendu que beaucoup n'ont pas compris le message que je passais. Je voudrais préciser, pour ceux qui disent « Franco a quel talent ?»« Franco crée quel genre de contenu ?» Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle l'art. Il y a des personnes qui créent des contenus, comme vous dites, qui font des vidéos. Ça ne fait pas 10 000 vues. Mais quand Franco prend cette vidéo et manipule, ça fait plus de 500 000 vues. Comment vous pouvez dire que quelqu'un fait quoi sur les réseaux sociaux, mais il est tellement suivi et c'est toujours la même personne qui est sollicitée pour les publicités? Regardez, en un an, j'ai au moins 10 contrats publicitaires. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le travail. Ça veut dire que si ce que je faisais n'était pas bien, je ne devais pas être sollicité. Vous voyez certains jeunes aujourd'hui qui ont leur téléphone de 50 000 avec leur redline de 20 000 francs, donc au total 70 000, s'asseoir et insulter Franco. Je vais prendre un exemple. Quand vous me voyez faire cette vidéo, retenez bien ceci, chers jeunes frères, je ne sais pas si c'est petit ou grand frère qui se permet de dire n'importe quoi sous le nom de Franco. La caméra qui est en train de m'enregistrer là présentement, c'est une caméra de 600 000 francs. Quand vous m'avez sollicité pour les publicités, la caméra que je passe sur le terrain, c'est plus d'un million pour faire les pubs avec. Mon drone, c'est presque 600 000 francs. Vous comprenez? J'ai un ordinateur Core i5 avec 16 Go de RAM. C'est avec ça que j'ai fait mes montages vidéo. Mes lumières, deux lampes, comme vous voyez, ça me filme, ça éclaire là, sans ombre. Les deux lampes là, c'est 450 000. Sans compter d'autres accessoires. Donc vous comprenez que rien que pour produire une vidéo comme je le fais là, je suis à plus de 3 millions de francs de dépenses sur le matériel. Mais quelqu'un vient et met son téléphone et raconte n'importe quoi. Vous pensez que c'est facile? On n'est pas sollicité, comme je vous ai dit, pour des publicités au hasard. Parce qu'on a d'abord la base, le matériel. Avec le téléphone, on ne peut pas faire des pubs. Donc avant de parler n'importe comment, au lieu de chercher à vous battre pour avoir le matériel, produire des belles images comme Franco, ce que vous trouvez, c'est de je ne sais pas, où c'est les coutumes qui vous dérangent, je ne sais pas. Et je vous ai déjà dit, je ne suis pas un lieu sacré. Si vous voulez faire vos coutumes, chacun a son village, allez dans vos villages et faire vos coutumes. J'ai parlé de l'affaire des awards et je sais que ça a beaucoup énervé certains. Les awards que vous voyez là, beaucoup vendent les trophées. Je n'ai pas dit tous les awards. Beaucoup créent ces awards pour se faire de l'argent. Les votes qu'on paye. Et ainsi, ce n'est pas le mérite. Moi, je n'avais pas besoin de trophées. Beaucoup n'ont pas compris ma vidéo, franchement. Peut-être d'autres ont compris en une minute seulement après. Parfois, quand vous voulez commenter une vidéo, essayez de comprendre la vidéo en intégralité. Dans ma vidéo, j'ai bien dit, j'aurais voulu que quelqu'un qui est actif sur les réseaux sociaux gagne. Moi, je ne voulais pas absolument que c'est moi qui gagne. Et je n'ai jamais dit que j'étais le vainqueur. J'ai dit, j'aurais voulu. Parce que quand on veut même voler, quand on veut même truquer, essayez un peu de truquer quand on ne va pas vous attraper. Et mes pages ont été créées pour ceux qui ne savent pas. C'était pas beaucoup plus pour les collages des vidéos. Mes pages ont été créées pour la sensibilisation. Et on ne peut pas faire la sensibilisation sans faire allusion, franchement. Parce que tu peux pas être un père de famille. Tu dis que tu conseilles tes enfants. Tu dis à tes enfants, le vol n'est pas bien. Pourtant, l'enfant te voit chaque jour voler. Le mensonge n'est pas bien. Pourtant, tout le jour, tu es en train de mentir. L'enfant ne va pas copier ce que tu lui dis, mais va copier plutôt l'acte que tu poses. À un moment donné, quand je donnais beaucoup de conseils aux jeunes, parce que, comme on dit, la bonne charité commence par soi-même, il fallait d'abord que je montre que voilà ce que je fais pour vous amener à faire comme moi.
mais c'était on trouvait plutôt que c'était la vente à 10. C'est pour cette raison que j'ai un peu mis pause. Au départ, je faisais des collages pour faire rire. Le temps est passé. Aujourd'hui, on prend certains contenus, on traite et on publie. Son temps va arriver et une autre technologie, une autre stratégie va encore venir. Mais pour l'instant, c'est ce qui est à l'heure. À l'époque, Facebook refusait même ça. Aujourd'hui, il valide. Peut-être qu'ils peuvent refuser. Nous, on va changer de stratégie. On ne devient pas riche parce qu'on travaille beaucoup. Il faut juste mettre ton cerveau en marche. Développer des stratégies. Vous comprenez? Ce qui fait mal à certains, quand vous voyez, ils me clashent partout, c'est parce que beaucoup de jeunes veulent même parler comme moi là, mais ils n'ont pas le courage. Et d'autres sont même payés pour venir m'insulter. Gourou, j'ai vu d'autres me traiter, je ne sais même pas. Je vais venir faire leur publicité. Quand je regarde vos vidéos, ça me fait rire. Peu sont des jeunes qui peuvent faire comme ça devant vous, en faisant leurs vidéos comme ça. Quand ils font comme ça, vous voyez quoi? Uniquement mon alliance, non? Vous allez les voir avec des bagues bizarres. D'autres vont vous dire, ce sont... c'est juste le décor. C'est juste symbolique. Je ne dis pas non. Mais faisons très attention, les amis. Je sais qu'aujourd'hui, vous me traitez de tous les noms d'oiseaux. J'ai vu d'autres même dire, demander que j'ai pris l'argent ou pas acheté la voiture. J'ai compris que celui-là est même perdu. Il ne me suit même pas depuis la base. Parce que ceux qui me suivent depuis la base connaissent le parcours de Franco. Je ne vais pas venir aujourd'hui dire ceci, dire cela. Donc, vous comprenez donc que on ne se lève pas un matin pour faire seulement des vidéos. Parce que l'arrivée des téléphones Android et des réseaux sociaux ont permis que chacun aujourd'hui peut se lever et bavarder. Mais avant de faire ce que nous faisons là, il y a toute une école. Il y a toute une école. J'ai fait 2 ans sur les bancs de formation pour apprendre à faire les montages vidéo. On a mis des recherches. Vous comprenez? C'est toute une école. Parce que le tout n'est pas d'avoir de matériel. Il faut savoir les manipuler. Connaître, manipuler le logiciel que tu fais des montages avec. C'est très important. Mais certains se permettent de venir raconter, Franco, tu fais quoi sur les réseaux sociaux? Quelqu'un qui ne fait rien sur les réseaux sociaux est tellement suivi comme ça. Je ne vais pas finir cette vidéo sans dire merci à M. Patrick Kenyekanga qui m'a tenu la main, qui m'a toujours orienté en ce qui concerne les réseaux sociaux. Parce que vous savez, ce n'est pas un domaine vraiment qui est facile. C'est un domaine tellement vaste. Et si tu n'as pas quelqu'un qui va toujours te guider, et grâce à lui, j'ai évité beaucoup de faux trucs là dehors. Parce que beaucoup de pièges que les gens m'ont tendu, c'est lui. Chaque fois, je disais, boss, ici, c'est quoi? Il me dit, fais très attention. Cela risque de te coûter cher. Voilà. Il m'a tellement ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Je lui dis vraiment merci. Chers jeunes, la seule chose que je vais vous dire, c'est que travaillez. Et quand vous bossez, vous êtes dans l'ombre. Personne ne vous voit. C'est une fois que votre étoile commence à briller, chacun voit que vous êtes sorcier. Et ceux qui attendent ma mort, que vous vois-tu bleu, ceci c'est monté, c'est descendu. Franco, c'est moi-même, je viendrai filmer vos obsèques. Pour ceux qui restent là, ils prient que vous, Franco va faire l'accident, Franco va faire ça, va faire ça. Ne pensez pas que tous les jeunes que vous voyez sur les réseaux sociaux là sont pareils. Vous allez rester là, attendre la mort de certains. Vous allez tous mourir. Et comme mon père disait, tous ceux qui souhaitaient la mort, mon père est décédé à 131 ans. Tous ceux qui souhaitaient, qui ont même voulu tuer mon père, sont tous morts avant lui. Et lui, il est allé aux obsèques de toutes ces personnes-là. Ne souhaitez jamais la mort de quelqu'un dans votre vie. Faites très attention. Parce que personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Moi, jusqu'aujourd'hui, je dis, et je n'ai pas besoin de justifier quoi que ce soit, je travaille selon la volonté du Saint-Esprit, du Seigneur. Peu importe celui qui va dire quoi que ce soit, je m'en fous. Et quand quelqu'un va faire quelque chose qui ne m'arrange pas, je vais dire, faites gaffe. Soyez sérieux dans ce que vous faites là. Passez une bonne journée. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.